Fabien Lecéuvre est autour de la table des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Fort de son statut d'attaché de presse de star, chaque soir, il dévoile les informations les plus croustillantes sur les people. Mais les anecdotes les plus surprenantes le concernent le plus souvent. Le 26 novembre 2024, il a même fait une révélation qui a laissé sans voix Cyril Hanouna et ses acolytes de l'émission de C8. Alors qu'il évoquait le documentaire d'Elton John, Never Too Late, qui sera diffusé sur Disney+ le 13 décembre prochain, il a plaisanté au sujet de son accent en déclarant « J'étais mauvais en langue ». Pourtant, je sortais avec ma prof d'anglais. De quoi attiser la curiosité du papa de Lino et Bianca, qui a été surpris par les sombres détails de cette relation. Fabien Lecéuvre a ainsi confié qu'à l'époque sa prof avait 27 ans, et lui seulement 13 ans et 2 mois. « Comme je n'étais pas très bon en anglais, ma mère me prenait des cours d'anglais renforcés. J'ai renforcé mon éducation sexuelle. C'était une belle histoire d'amour », a-t-il expliqué sans mesurer la gravité de ses surprenantes confidences. Des propos qui ont médusé Cyril Hanouna. « C'est chaud, vous dites ça comme ça », a-t-il lancé. « Des histoires comme ça, ça peut arriver », s'est justifié le chroniqueur, sans convaincre Valérie Benaïm, totalement abasourdi par une telle déclaration. « Excuse-moi, mais ça me choque. Pardon, je casse l'ambiance », a-t-elle répliqué, avant que Fabien Lecéuvre ajoute « Je n'ai rien demandé moi. J'étais consentant à un moment donné ». La phrase de trop pour l'animateur et ses camarades de Touche pas à mon poste qui ne s'attendaient pas à une telle confidence de sa part.